Salut à tous, je m'appelle Quentin, je suis pisteur secouriste à Orel. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler du Mammouth Barrivox S. Vous avez 70 mètres de bande de recherche, ce qui me semble est la plus haute du marché. On a un groupe check, on a un mode marquage, ça c'est assez classique maintenant dans les DVA milieu de gamme et haut de gamme. Donc il est quand même destiné aux pros, semi-pros et personnes très expérimentées. On a pas mal de modes, on peut le configurer à souhait. On peut le personnaliser, on peut faire des recherches alternatives. Donc c'est quand même beaucoup de modes que 99% des gens n'utiliseront jamais. Là vous avez deux boutons sur le côté qui vous permettent de défiler soit entre les victimes, soit dans les menus. Vous avez le bouton marquage. Puis après là vous avez les trois modes avec un verrouillage anti-retour. Donc il est assez léger, la prise en main est bonne. Donc pour le Mammouth Barrivox S, donc il est livré avec un holster. Moi personnellement je l'utilise pas. J'ai un pantalon avec une poche spécifique, donc ça me permet, hop, j'ouvre ma poche, je sors mon DVA, hop, clac, il est opérationnel. C'est un gain de temps. Voilà. Donc DVA, dès que je vais en montagne, ça va de pair avec la sonde et la pelle. Pelle en alu, les pelles en plastique, on les jette, et une sonde solide. Donc pour moi, c'est vraiment un des meilleurs DVA du marché. Il est vraiment très réactif. Il capte super loin, donc le signal numérique est quand même vachement fiable. À partir de 40-45 mètres, il est très très fiable. C'est vraiment un super outil. On n'oublie pas, on s'entraîne régulièrement parce que le meilleur DVA, c'est celui que vous connaissez et vous connaissez par cœur. Bon, je remercie Choulanka pour ce super test. Et puis, bah, profitez du printemps, la neige est là. Je pense que la saison de ski de rando va durer un petit moment.